Hop, allez, c'est parti. Il y a un bras de soleil chez moi, j'espère que ça va durer un petit peu. J'espère que Monique va bien. Bon, débarque, c'est pour bientôt. Hein. J'ai reçu un message. Salut Sylvie. La petite Dominique aussi, elle est là, oui. Et donc, pour la livraison des barres, d'ici 5 jours à peu près. C'est pour bientôt les barres, ça c'est sûr, ça y est, ça arrive. En forme, tant mieux, les cervicales vont mieux, les douleurs vont mieux. J'inspire bien, j'expire bien. Bon, j'ai préparé ma chaise favorite, hein. Celle qui me fait pas trop mal. Allez, attention, double, deux, et un, et deux. Hop, j'inspire bien, j'expire bien, je me déplace deux fois. Encore. Redressez bien votre buste, abaissez vos épaules, entre le ventre, serrez les fessiers. On revient, talons aux fesses. La petite flexion. J'inspire bien, j'expire bien. Bon, qu'est-ce qu'elle a, la Marivonne Gillard? Attention, qu'est-ce qu'elle me raconte, la Marivonne? Ah, je ne sais pas, je ne l'ai pas vue ce matin, tiens. Je ne sais pas où elle est là. Allez, on serre les pieds. Pourtant, j'ai brossé les chiens, je ne l'ai pas vu. Alors, c'est bizarre, ouais. Elle doit dormir dans un coin. Allez, serre les pieds. 4, 3, 2. On double à nouveau. 2. Et 2. C'est quand je vais m'asseoir dessus qu'elle va arriver. On met les kicks. Stop. Kick. Kick. Allez, inspirez, expirez, redressez. Hop, hop. Et un, et deux, et un, et deux. Quatre, trois, deux, le genou. Et la main opposée, le buste redressé. On prend les kicks, on allonge. Balancez vos bras. Les genoux. Hey. Hop. Allez, droite et gauche et droite. Et un et deux. Les kicks, une dernière fois, je balance. Hop. Ta-da-da-da-da. On s'est réjoui de voir le soleil un peu parce que je pensais qu'il allait pleuvoir jusqu'à mardi sans s'arrêter. Quelle galère la pluie. Et 4, et 3, et 2, côté. C'est bien un petit peu la nuit. Mais alors, vu l'état des chiens, après, c'est pas drôle. Et un, et deux. Hop, hop. On rentre son ventre, on serre bien son fessier. Encore un petit peu, j'inspire et j'expire, je vais chercher à droite, je vais chercher à gauche. En talon devant, je trouve mon équilibre, je redresse mon but, et deux, et un, et deux. Hey, hop, hop,
4. Bon, on part sur les côtés, à droite et à gauche. Devant talon. Allez, encore. 8, 7, 6, 5. Bonjour Christian. Step touch à droite. Et on resserre. Hop, hop. Et 4, et 3, et 2. Relâchez. Bon, vous attrapez votre chaise, vous la mettez sur le côté. D'habitude, la main dessus. Le petit battement qui démarre bien. J'échis ma jambe d'appui, je mets ma main et je fais. Petit battement, je réfléchis, l'épaissis un peu en arrière. Je rentre mon ventre. Attends, il est toujours rentré le ventre. Hein. Le buste bien dressé et on fait des petits battements. On met la main sur le dossier de sa chaise. On travaille les cuisses, la pelle derrière, l'équilibre aussi, hein, on n'est pas cramponné trop fort à sa chaise. On pourrait presque la lâcher. Hein. Juste, on effleure, on tient un petit peu et on fait des petits battements. Ta-da-da-da-da. Inspire, expire. Il n'y en a plus beaucoup à changer de jambe. Si vous pouvez, changez pas de main. Vous restez là et vous changez juste de jambe, vous reculez un peu. 4, 3, 2, et. Normalement, ça passe derrière la chaise. Hein. Faut pas trop se cramponner fort et on fléchit la jambe d'appui, on redresse. Buste aussi. Hein. Et 1, hein. Et 2. Si la chaise vous embête, vous la changez de côté. C'était pour pas perdre de temps. Dégage le manteau de ma poitrine, j'inspire et j'expire. Ça commence à chauffer un petit peu. Tout va bien, hein, on va rechanger après. 8, 7, 6, pas trop haut. 4, 3, reprends appui jambe droite. Hop, allez, fléchis. Lève un petit peu là, lève. Monte un peu. Fléchis celle-là, monte un peu. Regarde devant toi. Un petit coup de pied devant. Hey, hey, et 1 et 2, et 1 et 2. On s'assoit un peu, les fessiers c'est en arrière. Hop, hop, continue. Redresse ton buste et souffle. Allonge, très bon pour la cuisse, ça. Hein. Comme tout à l'heure, il n'y aura pas besoin de changer de côté. On maîtrise maintenant l'équilibre. Hein. On s'appuie pas trop fort. 4, 3, 2, petit dernier, changez. Et montez un peu, bloquez la cuisse et allez chercher votre extension. Et 1 et 2, je souffle. Fléchis là, tire les fesses en arrière. Inspirez, expirez. Encore un petit peu. Dernier, je relâche. Hey. Mettez vos pieds largeur de votre bassin. On se met déjà un petit peu sur les pointes, un peu, hein. On décolle légèrement les talons, on sent basculer bassin, on pousse. Ne reposez plus vos talons sur le sol, vous poussez le genou vers l'avant, ça bosse sur les mollets. Tonique, hein, la ceinture abdo, le nombril est remonté. Droite, gauche, pied largeur bassin, hein. Pas trop large non plus. Hein. Ouh. Ne repose pas tes
les talons. Et le poids du corps est resté un peu en avant sur vos pointes. Regardez devant vous. Bon, si vous sentez que l'équilibre est très très bon, vous... Olé. Vous lâchez la chaise. Faut pas que le poids du corps il parte en arrière, hein, sinon les talons ils vont aller se reposer sur le sol. Et un et deux. Ouh. Allez, je me grandis, pardon. Je regarde devant moi, j'inspire, j'expire. Hop, hop. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et on relâche. Bon, démarrage. Récupérez vos haltères. On s'assoit sur la chaise. Tout au fond ou sur le devant, dans tous les cas, le buste il est redressé, le nombril il est remonté. Alors tout au fond, si je veux bien caler le dos, vous ouvrez un petit peu vos pieds par terre. Hein. On est stable. Allez, on y va, on allonge. Tranquillement pour commencer, je souffle, j'allonge, j'étends mon bras. On va chercher l'extension, il y a, et deux, et un, et deux. Regardez devant vous, hein. Petite, moyenne haltère, c'est pas mal, hein. On regarde devant, on redresse son buste. On va chercher son extension de chaque côté. Quand on peut plus, on pose haltère, on fait 100. Et un et deux, et un et deux. Stop! Hop! Sans incliner son buste, on va chercher la petite extension. Hauteur de l'épaule. Encore, 4. 4, souffle. 3, redresse-toi. 2, dernier. Stop, on revient. Collez les coudes près des côtes là. Hop, allez, on descend. Des demi. Des demi. Et là, très bon pour les biceps ça. Colle les coudes au corps, fais des demi. Le buste il est redressé. Et là, et deux. Et là, et deux. On continue encore un peu. Huit fois, 8, 7, 6, 5, encore 4, 3, garde ton buste redressé, 2, dernier, posez une haltère, une seule. Allongez vos bras tout en haut, serrez vos coudes, et 1, et deux, et on revient à la poitrine, allongée, buste redressé, tout au fond de la chaise, sur le devant, nuque, pour les triceps, serre tes coudes là tout le temps, près de ta tête, près de tes oreilles. Voyez en quart de box, j'avais mon assistante personnelle, hein. Marie-Josée l'a vu. Attention, elle a fait le coup, hein. Elle était en pleine forme. Et allez, de en haut. Hey. Hop. Souffle et allonge. Reviens et inspire. Bon, quelquefois elle s'est mise à danser à la place de travailler, mais c'était pas mal. Quand on regarde, ça fait rire aussi de temps en temps. Hop, et un et deux. Allez, attention pour le petit dernier, on va travailler avec les jambes.
Top, descendez. On pose doucement son haltère sur le côté. Soit vous vous reculez complètement et la cuisse va se poser sur votre chaise. Et on va faire extension. Si la cuisse est posée, c'est beaucoup plus simple, mais c'est pas grave. Si on veut travailler plus dur, plus fort, on avance, pied à gauche bien à plat, cuisse dans le vide, je lève un petit peu et je fais ce même mouvement de flexion-extension. On passe un petit peu plus sur sa ceinture abdos. Mettez pas votre dos rond, vous pouvez incliner un petit peu plus en arrière, vous vous penchez un petit peu pour compenser, mais pas de dos rond, faut pas que ça tire au niveau lombaire, cervical. Je bloque mon genou et je fais cette extension. D'ailleurs, j'ai déjà mal à la cuisse, hein. Mon quadriceps a bossé. Ah si, j'ai trouvé le chat, tiens. Je dis chez même pour vous, elle est ici, elle est devant le micro-ondes. Pas dans le micro-ondes, hein, devant le micro-ondes. Elle dort là-bas, ça doit faire des bonnes ondes. Allez, on change. Hop, lève un peu et cherche l'extension. Va au bout de ton extension, redresse-toi, regarde devant. Quand on peut vraiment plus, tu peux accompagner avec tes deux mains sous ta cuisse. Ça, c'est l'option finale. Hop. Abaissez vos épaules, étendez, allongez, soufflez. Et un, et deux. Après, on change. On monte le genou plusieurs fois. Petite amplitude à cause de l'articulation de notre hanche. Allez, dernier, tu reposes le pied gauche, tu montes là. Petite amplitude. Ça coince hein, par là, c'est normal. Bon, mon but, vous voyez, hein, il va pas d'avant en arrière ou derrière en avant. Je vais mettre le profil. Là. Petite amplitude. On peut descendre un petit peu son buste. Avec des abdos, quand on descend un petit peu son buste. Pas de dos creux. On essaye d'avoir le dos plus ou moins plat. Hein. Pas un, hein. Quand il y a besoin, la pointe, elle touche le sol et j'y remonte. La main à gauche, change. Hey. Sauf. Regarde devant toi. Mes cuisses sont dans le vide. Hein. Sinon, je recule un petit peu, il y a le dossier. Je cale mon dos s'il le faut. Petite amplitude. On s'inquiète pas si ça monte pas beaucoup, ça travaille quand même. D'ailleurs, je le sens dans ma cuisse. Dans mes abdos. Yeah. Ouh, dernier, tu relâches. Tout, tout. Je reprends une de mes haltères, une seule. J'ouvre les jambes, je me mets assise plutôt sur le devant de la chaise, sans tomber bien sûr. Hein. Normalement, prenez votre haltère comme ça, si vous ne pouvez pas, vous la tenez comme ça. J'ouvre mes jambes, avec mon buste, je pars un petit peu en avant. Je mets le dos plat, je vais me mettre de profil et je monte le plus haut possible sans passer au-dessus de ma tête. Un peu en avant. J'inspire, je souffle, pas de dos rond, j'inspire, je souffle, une, deux haltères, petite et légère, profil, on y va, le buste, en avant, et je monte, pas de dos rond, ouvrez vos jambes, ça travaille aussi l'intérieur de vos cuisses, vous allez sentir un petit étirement. Le dos il est plat et descend, la tête suit le mouvement, j'inspire, je souffle sans passer au-dessus de ma tête, j'inspire et là je me redresse. Ouh. Avec ou sans haltère et on peut monter. Si vous avez les douleurs aux épaules, vous allez chercher un peu moins, c'est pas grave, ça bosse quand même. Hein.
Le buste. Inspire. Souffle par ta bouche. Hey. Ya, deux. Ya, deux. Tu viens à plat en ouverture les jambes. Deux fois. Dernier. Ouais, je reviens face avec vous, gardez votre haltère. Vous redressez le buste. On est plutôt assis sur le devant. On fait comme tout à l'heure, la montée de genoux avec l'alternance et on descend l'haltère. L'haltère ou les mains. On y va. Hop. Hop. Je vais travailler les abdos. Le buste part un petit peu en arrière, hein, légèrement. J'incline un peu. Je vais travailler mes abdos, le bas surtout. Les épaules, le dos. Et un, souffle. Deux, souffle. Avec ou sans les bras, hein, suivant les douleurs. Hey. Droite et gauche, on alterne la pointe sur le sol. Pointe. Oula. Nombril, il est à monter, faites travailler la ceinture abdos. Hein. Et un, et deux. Et un, et deux. À votre rythme. La la la. Oula la la. Aïe, aïe, aïe. 8. 7, souffle. 6. 5, encore 4. 4. 3. 2. On va faire travailler nos abdos. Relâchez. Je me mets de profil. Si vous voulez garder le dossier dans le dos, vous gardez le dossier. Avancez vos fessiers. Là, vous avez le droit au dos rond. Maintenez la terre près de la poitrine, ça rajoute du poids. Quand on rentre, nombril remonté, bascule là, au niveau du bassin. Enroule le bas de la colonne et descend. La terre est là, la poitrine, je souffle, je remonte. Ventre creusé. Avancez un peu vos pieds. Comme quand on est assis, c'est pareil. Dos, j'enroule, forme de C et je remonte. On peut poser son haltère, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Expire. Les pieds se décollent un peu, pas trop, sinon vous allez basculer en arrière. Hein. Hop. Dos. Dos, regarde devant toi. Expire. Encore, souffle. Allez, enroule bien à ton rythme, hein, souffle, expire, descend, reviens, inspire. Ça tire dans le dos, tu vas chercher un peu moins bas. On va fixer en bas, on tient, dos rond, ventre creusé, et si c'est serré, on tient. C'est pas Mirabel, mais c'est au près. Allez, dos rond, ventre creux, inspire, expire, faut pas que ça tire dans le dos. Hein. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, remontez. Déroulez. On pose la terre, on se redresse. Allez, on est redressé. On fait un petit peu la partie où ceinture abdos, équilibre en même temps. Poignée, épaule, dos plat. Genoux, hanches et les chevilles. On va le chercher pour les caresses. Placez votre buste, tête dans le prolongement du buste. J'ai allongé ma jambe gauche. Et mon bras droit.
On essaye de tenir. Là, on peut mettre une légère flexion. Hein. Creuse ton ventre. Inspire, expire. S'il y a un exercice qu'on ne peut pas faire ou avec le bras ou avec la jambe, on repose la main ou le pied sur le sol. Hein. Tu tiens, tu tiens, tu tiens. Allez, allez, laisse pas descendre la jambe pour l'instant. Le dos, le bassin, tout est bien placé. La tête dans le prolongement du buste. Je serre tout, je tiens. On va bien changer. Allongez la jambe, allongez le bras, l'extension. J'aligne. J'inspire et j'expire. Juste la respiration et je tiens. Tu tiens. Allez, serre tout, ne lâche pas. Reviens doucement. Allez, cette fois, c'est battement avec la jambe. On peut redresser le buste, maintenir là. Demi-tour, buste en avant, fléchis ta jambe droite. Juste le battement. Il y a cette option, je tiens mon dossier, j'incline un peu mon buste et je fais le battement. Fléchis. Il y a cette option qu'on a déjà fait plusieurs fois. Le dos est plat, la tête, je la place. J'enchaîne le battement plusieurs fois. Fléchis la jambe d'appui. Tête dans le prolongement du buste, c'est important. Hein. Lance pas trop fort la jambe. Souffle bien. Serre ton fessier. Allez, attention, changez de jambe. Fléchissez la jambe gauche. Battement. Et un, et deux. Placez-vous le dos, la tête. Souffle. Souffle, enchaîne. Inspire bien, expire bien. Encore un petit peu. Quatre. Trois. Deux. Dernier. Redressez. Déroulez. On prend ces deux haltères. On ouvre un peu ses pieds, en dessous, on serre ses fesses. Et là. Taille. Juste ton buste, tu inclines, tu souffles. Ton buste. Hey. Hey. Droite et gauche, gauche et droite, le ventre, le fessier, tout est serré. Hein. La respiration. Pas de fessier, pas de bassin, juste ton buste qui s'incline. À gauche. Et. Allez, on remonte ton haltère, là, travaille l'épaule. Je pense qu'on les a bossés, là, les épaules. Moi, je le sens. Hier matin, élastique, barre. Hier soir, cardio box. Ah, peut-être hier soir, j'ai eu mal. Non. Allez, on alterne. Hey, hey. Et un, et deux, et un, et deux encore. Yep. Après, on fait du squat avec la chaise. Si jamais vous avez peur de tomber,
Vous n'allez pas jusqu'à la chaise, hein. Vous tirez les fessiers comme on le fait sans le matériel. Sur un renfort normal. 8, 7, 6, 5, souffle, 4, 3, 2, reviens de haut. Posez. Passez bien votre chaise. On va démarrer la position assise. Placez les genoux, tiens un peu les talons vers la chaise. On remonte, on se redresse. On peut mettre les mains au niveau des cuisses. Pour vérifier que la chaise est là, vous pouvez mettre vos mains sur les premières. Hop. Allez, tire-moi cette fesse. Souffle, prends ton ventre, serre le fessier. Mets tes genoux à peu près largeur de ton bassin. Oh, l'ordinateur se dit qu'on est en pause. Pas du tout. Allez, je rentre mon ventre, je serre le fessier, j'inspire, je m'assois, j'expire, je remonte. À votre rythme, à mon rythme, pense à ton bassin là, il va basculer en rentrant le ventre et en serrant les fesses. Les genoux toujours un peu fléchis, hein. On préserve nos articulations, regardez devant vous. Attention, stop, restez en haut, montez, restez, on enchaîne plusieurs fois sur les pointes. 1 et 2, on se grandit, on va repartir après avec le squat. Serre tout, gagne tout, grandis-toi. Et 1 et 2, hey. Quand on part au squat, vous pouvez partir de la position assise ou bien mettre les mains pour vérifier, hein. Souffle, grandis, serre tout. 4, 3, attention, repart en squat à votre rythme, à mon rythme. On y va. Hey, regarde devant toi, bascule ton bassin, souffle. Pensez à tirer vos fessiers bien en arrière. Du coup, là, le poids du corps, il est forcément dans les talons parce qu'on s'assoit. Hey. Bon, on s'assoit plus. On vient près de sa chaise. Faut que les fessiers y touchent. Près de sa chaise. Et vraiment. Touche. Et voilà, passez bientôt la fin. Très bon pour les cuisses. On prend son temps. On remonte et on souffle. Très bon pour les fesses, là. Inspire, expire, encore deux fois et on reste pour les poils. Vous vous redressez, regardez devant, serrez tout. On monte. On se grandit. Hey. Allez, 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 allez. Lâchez pas votre bassin. Restez tonique. On fera une dernière petite série. On frôle la chaise. Si on n'a pas la chaise, on s'avance un peu. On descend plus ou moins bas, là où on peut. Allez, attention. Stop. Allez, remonte. Allez, tire tes fesses. Loin derrière. Les genoux, ils partent pas à l'intérieur, pas à l'extérieur. Ils vont vers vos pointes de pied. Dans l'axe. J'inspire, je souffle. Pour ce soir, il y a de l'échauffement en step. Ou simple, hein, sans step. Et après, fesses, abdos et cuisses. C'est reparti pour un tour. Allez, attention au casque. 3, 2, et voilà. Et 1 et 2. Allez, on détend tout ça, on récupère. Jetez.
On monte un peu nos genoux. Hop, hop, hop. Et un, et deux. Et un, et deux encore. Redresse-toi, regarde devant toi. Mets ta main posée sur ta cuisse. Salopette derrière. J'inspire, je souffle. Hey, hey. 8, 7, 6, 5, 4, 3, on shoot sur le côté. Hey, hey. Allez, dernière fois les genoux. Et un, et deux. Regardez devant vous, essayez de monter un tout petit peu plus haut. Pour les étirements, vous pouvez vous tenir à votre chaise. Ou pas du tout, hein. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et on relâche. Allez, attention, on étire en premier le haut du corps. On va travailler avec notre épaule, appuyez doucement. Changez. Dans votre dos, vers le bas. On tire, on tire, on tire, on tire, on tire. Voilà. Essayez d'enrouler toute la colonne et plongez. Relâchez en bas. Déroulez tout votre dos. Terminé. Pas les épaules. Talons fesses, on se tient pas, on fait ce qu'on peut, on fait semblant, c'est pas mal surtout. Les genoux, le bassin, le buste. Changez. C'est mon mauvais côté. Relâchez. On va étirer un petit peu sur les mollets. J'appuie ma pointe, j'écrase mon talon. Belle fente, hein. Pointe, point derrière, j'écrase le talon. Faut que ça tire dans votre mollet. Changez. Bon, il y a le chien qui est un peu casse-pied. Quand c'est pour le chat, c'est le chien. Appuie. Redresse. On revient. Souffle, expire. Allez, la grande inspiration. On s'étire, on s'allonge et on relâche. Voilà, mesdames, je vous dis merci. Félicie, je vous retrouve peut-être ce soir, sinon ça sera demain matin, circuit training si je me trompe pas. Allez, belle journée, profitez, il pleut pas.